va bien les amis, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui dans mon nouveau studio. Non, c'est de toute façon ça commence mal. On se retrouve aujourd'hui dans mon nouveau studio. Toujours. En fait, c'est la fin de la phrase qui est mauvaise. On se retrouve aujourd'hui dans le studio de Sora. Voilà, let's go. Bienvenue à moi. Non, bienvenue, c'est encore. Je dis encore bienvenue, alors que c'est moi qui viens chez toi, donc ça n'a rien à voir. Bienvenue dans mon studio. Oui, du coup, c'est mieux comme ça. Bienvenue. Quelle est cette vidéo? Quel est le concept? C'est très très simple. Aujourd'hui, on va comparer. Casser la gueule. On va s'arracher. Non? Non. On s'arrache pas? C'est plus friendly. Ok. Aujourd'hui, on va concurrencer deux pâtisseries. Attends, musique de tension. Non, musique là. De tension tout de suite là? Tout avec suite, les demandes qui vont tout de suite à fond. Waouh, ok. Cédric Grolet versus Louis Vuitton. Oula, quel deux est... compétiteurs. Bien sûr, quel est le meilleur? Déjà bien ancré dans leur domaine, rien à voir. Louis Vuitton qui vient de se lancer. Oui. C'est avec Grolet qui est bien installé. Oui. Lesquels seront les meilleurs? Suspense. Mmh. Donc très simplement, on va aller dans chaque restaurant distinct et on va commander les pâtisseries. Bon, je pense pas, il y a pas de pâtisserie au chocolat, pâtisserie au chocolat. On va pas prendre un versus vraiment chaque. Eh ouais. On va juste goûter, prendre le meilleur des deux. Je connais des chefs cuisiniers. Non. Déjà, nos avis ne comptent absolument pas. Voilà. Warning spoiler. Non, c'est pas un spoiler. Mais on est qui en fait pour deux? Bah toi t'es Raven. Ouais. Moi je suis Sora. J'appelle Maxime. T'appelles Raphaël. Premier degré, c'est premier degré. C'est pas ça. Premier degré. Ouais, c'est pas ce que je voulais dire. On est personne pour critiquer. On donne juste notre point de vue, notre avis. Mais cela ne veut dire en rien du tout ce que ça veut dire. Le résultat. C'est hyper subjectif. C'est-à-dire que peut-être nous on va adorer Vuitton. Préféré à Grolet, alors que vous allez dire, mais pas du tout. Enfin, c'est vraiment hyper subjectif. Voilà. En fait, on sait pas pourquoi on fait cette vidéo. Non. En fait, on la fait plus. Allez, pure. Vas-y, allez. Ça marche. Terminé. Là, c'est 2010, la blague. On va commencer tout simplement par Louis Vuitton. Ok. Ouais, on n'a pas de. Je pense, par rapport à l'affluence, comme on parlait tout à l'heure, finalement. Oui, bah, je pense que là, ça, dans quelques. Bah, dans une heure et demie, il n'y a plus de place, quoi. Ouais. On va manger un petit sac cabas Louis Vuitton. Non. Après, on va prendre une sacoche. Mm-hmm. Et je voulais goûter aussi. Il y a des manteaux un peu. Ouais. Je voulais les goûter. Le cuir, il a l'air. C'est des nouvelles pâtisseries, je connais pas. Par contre, je trouve ça un peu cher. 1700 balles. La pâtisserie, je crois. Ouais, bah oui, quand même, c'est un peu. Après, moi, je suis ton invité, donc finalement, oui, je suis hyper content. Après, on avait dit 50-50. Non, on a pas dit ça. Dans le brief là. Pouah, c'est de ma faute. Bref les amis, on arrête, je suis désolé, les intros tous les deux c'est toujours trop long. C'est parti, lequel est le meilleur? C'est parti, bonne vidéo à vous. Bah merci, ça fait plaisir. Je te parlais pas toi vraiment. Ah, pardon, c'est du coup, du coup à vous alors. Allez c'est parti. Du coup pardon, ça part en vlog hein, du coup, donc si la cam est un peu moins stable. Les amis, regardez, on se retrouve juste ici, on est arrivé. Au café Elve Dream. C'est ça. C'est parti. C'est parti. Maxime a déjà goûté. J'y suis allé deux fois à ce café. Ok. Je pense que c'est bon. C'est chez moi. La première fois, c'était pour les chocolats. Ok. Incroyable. J'ai mis un smic dedans. Okay. Et la deuxième fois, je suis allé pour les pâtisseries. Ok. C'est ce qu'on va faire. Ouais. Et tu vas voir, c'est une dinguerie. Putain, j'ai vraiment hâte. Bah écoutez, c'est parti. On va prendre une petite pâtisserie sur place. On va essayer de goûter celle qui se rapproche le plus, même si c'est pas forcément les mêmes que c'est de rigoler. Ouais, là, on va prendre un double cheese avec potatoes coca, avec un petit croque McDo en plus. Ça me coûtera certainement moins cher. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est magnifique. Ils ont des frigos en mâle Louis Vuitton. Quoi? Mecs, c'est n'importe quoi. Putain. Et on peut les goûter, les mâles? On peut les goûter? Les mâles? Ouais. Non, c'est trop, attention. Ah, merci. Regarde pas. Et ouais. Devine le prix du fauteuil devant toi. Alors, je pense qu'on est. Moi, je dis 3000 balles. Pourquoi tu rigoles beaucoup? 75 000. Allez, on va à la pâtisserie ou on va au chocolat pour l'instant? On commence par quoi? 77 500. Ah, pardon, je me suis trompé. Pardon. C'est que 2500 euros de plus. Ça va être plus après. Si jamais il te plaît pas en bleu, ouais. Il existe également en version rouge. Vous avez une anecdote? Oui. On peut acheter une lampe comme ça. On va en acheter une. Okay. Combien elle coûte? 200 euros. Mais tu sais où t'es, frérot? Ou... Je sais pas. Bah, pour moi, c'est une. Ah, si, elle a une petite, un petit morceau en cuir. Mm-hmm. 1700. Non, en plus. Mais tu rigoles. Mmh. 3000? Non, en plus. Après, c'est trop. Non, bah, c'était déjà trop, il y a 1000 balles. 4000? 4000 balles. 4000 euros. Mais il y a après, rien. C'est, regarde, c'est une petite lampe et tout. Bah, elle s'allume. On voit même pas qu'il y a écrit Louis Vuitton, il y a rien. Mais elle s'allume. C'est une lampe? Non, elle s'allume. Mais... Ikea, 10 euros, la Glickebluck. Elle, mec, elle s'allume. Elle a la même fixation nulle que sur les trucs Ikea. Ça, c'est réel. Les amis, regardez où on se retrouve. On est juste ici. Au McDo. Non, pas du tout, regarde. Parce qu'on a les serviettes ici. C'est avec les petites serviettes. Ton mec, elles sont. Avec le petit monogramme. Hop. Hop. Dans la pocket. Et, hop. Et on a le droit, on a le droit. On a le menu juste ici. Louis Vuitton, regardez. Donc on va faire une petite sélection. Le prix se fait. Je sais pas, j'ai pas envie de le casser. 700 balles. Ah, allez. Tu rigoles? Non, je rigole pas. C'est écrit Louis Vuitton. Très stylé. Là pour l'instant, il n'y a pas le micro-cravate, les amis, parce que bon, on n'est pas encore placé, parce qu'on va encore se déplacer, mais après je les mettrai promis. On est sur des prix Cédric Grolet. En vrai, ouais. On a éclair au chocolat signature, entremets chocolat, entremets vanille, entremets noisette, tarte au citron meringué, charlotte au poire, cake marbré entier. C'est celui-là qu'on peut prendre. Le cake marbré, c'est le seul que tu peux prendre et ramener chez toi. Sinon, ici, vous devez manger sur place, vous n'avez pas le droit de. Je bosse ici en fait. Ouais. Bah, tu sais quoi, je vais te prendre la commande. Tu vas me prendre la commande, tu mets un doggy bag. Après, tu peux aller les voir. On va les voir.
Il m'a fait un petit clin d'œil, le monsieur. Alors, regardez les amis. Tu vois, c'est la seule que j'ai pas goûtée. Elle est belle. Wow. L'éclair au chocolat, pareil. Qui a été signé par Louis Vuitton lui-même. Il vient tous les matins et il signe. Non. Toutes les éclairs. Non, je suis pas sûr. Et il vient comme ça en éclair. Il se dépêche. Donc, ouais, donc elle est à. D'accord. Elle est ouais, 16€. Par contre, ça là, ça a l'air incroyable ça. Hein. Ça, c'est incroyable. Mec, c'est le banger de ce. Ah, c'est le truc. C'est Charlotte au poire, ça. Allez, ça part. On va prendre un menu maxi best-of, s'il vous plaît. Je vais prendre. Tu veux quoi, des frites au cheddar? Est-ce que tu fermes ta bouche et qu'on revient à la table? Ok, super. Viens, on trinque avec deux verres à 700€. Hop, hop. Donc je teste l'eau Louis Vuitton pour la première fois. Non, c'est de l'eau en carafe. C'est l'eau. Ouais, on sent que vraiment l'eau, on sent que l'eau elle est très Louis Vuitton. On sent que l'eau est très normale. Elle est très Louis Vuittonisée. On sent vraiment tout le côté luxe de l'eau, tout le côté qui sont allés chercher à la montagne. Je l'ai vu au robinet faire comme ça. Je suis très curieux que tu goûtes le celui à la poire. En plus, c'est on va dire celui qui se rapproche entre guillemets le plus d'un gros lait. Parce que du coup, bah t'as à l'intérieur t'as peut-être un truc un côté fruit. C'est comme ça. Lui, c'est vrai que c'est de rigoler très représentatif du fruit. Ouais. Il joue beaucoup avec les fruits, donc là fallait quelque chose au poire avec le fruit, parce que beaucoup de chocolat. Bon. Désolé pour le bruit. Bon, en vrai, je pense que ça va avec les micros. Oh, ouh, c'est arrivé ça. Oh, merci beaucoup. Oh là là, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Moi, je te propose de commencer par la Charlotte parce qu'elle, elle a tellement de goût qu'elle va t'écraser le palais. Arrête, prends le palais, elle va faire. Arrête, elle a rien fait, Maxime, elle a rien fait. T'es méchant. Ok. Donc, je pense que la Charlotte, c'est mieux. Mais écoutez, bonne dégustation à vous, les amis. L'intérieur est magnifique. Oh la vache, c'est trop. Et quand c'est trop, c'est Tropico. Bien sûr, on n'est pas sponsor. Alors, écoute Maxime, bon appétit à toi. Bon appétit à toi. Let's go. Mmh. Vraiment. J'ai pas les mots. Oh, c'est frais. Celle-là, mec, vraiment, t'as envie de lever, d'aller dans la rue, ouais, et de fracasser des vieilles. C'est une dinguerie. Ah ouais? Mais vraiment. Moi, j'étais plus sur des yeux. Ah ouais? Alors, deuxième bouchée, après, on vous explique un peu ce qui se passe en bouche, là. Merde, j'ai mis 20€ à côté. C'est dur de vous décrire parce que forcément vous n'avez pas le goût, mais c'est la première fois à jamais que je mange cette pâtisserie où je me dis vraiment j'ai l'impression de manger le fruit. La meilleure poire, c'est pas une poire un peu bonne. On a pris la meilleure poire. Elle était sélectionnée pour ses critères de beauté, de maturation, de forme. C'était la poire. T'imagines quoi? La poire. Ah ouais, oui. Enfin, on a l'impression qu'ils l'ont prise au bon moment. Pas avant, pas après. C'est maintenant, on la prend, on te la met dans la bouche. Vraiment, au moins, ça me fait penser le dessus un peu à un crumble. Ouais, ça fait un peu Charlotte crumble. C'est trop bon. C'est un plaisir monstre. Mes amis, on a des bons morceaux de poire. Bon, pas de focus, mais ça va aller. Ah non, c'est trop bon. Vraiment, la poire, vraiment, je te jure, c'est une dinguerie, vraiment. Là, on est sur un petit biscuit. Il a pas forcément de goût. Il rajoute de la texture plutôt. Je vais le goûter tout seul, tiens. Je dirais que c'est une petite génoise. Tu sais pas ce que je raconte. C'est délicieux. C'est pas juste de la texture. Non, non, il rapporte du goût aussi. Oh, waouh. Ouais, les amis, on a pas les mots parce qu'on n'est pas fait pour. Voilà, on n'est pas critique, mais sachez que c'est délicieux et que. Bah, en fait, vraiment. C'est à tester. Vous avez toutes les saveurs, toutes les textures. Vraiment, si je veux faire le mec avec les petites herbes et tout, vous avez du fondant, vous avez du croquant, vous avez du moelleux. Vous avez tout le goût de la poire. Putain, ce sont des espèces de petites épices dans la poire. C'est vraiment, tout est fait pour. C'est en vrai, en ça, c'est une des plus belles, des plus bonnes pâtisseries que j'ai pu manger. Moi aussi. Mais vraiment. Entremets à la noisette. Oh, c'est hyper coulant, je m'attendais pas à ça. Ok. Celle-là, elle est vraiment. Allez, on y va. Je prends une. Ça se tient super bien. Ah, tiens, Maxime. Waouh. Mmh. Tu peux nourrir une ville entière avec juste cette pâtisserie-là. Ouais. Mais c'est délicieux. C'est très bon. Jeu de texture, il y a tout. En fait, c'est hyper frais. C'est la température parfaite pour le manger. Les goûts sont nickel. Le truc, j'ai dit le truc. On a Louis Vuitton, j'ai dit rouge. Aucun effort. Mais le coulant, vraiment. Le coulant. On a le croquant. Insane. Le moelleux. Insane. On a la torréfaction. Insane. Ma quoi? Sa mère. Insane. La torréfaction, elle est insane. Le croquant, c'est malin. C'est croquant, c'est malin. C'est frais, c'est tout. Maxime, moi qui suis gourmand, j'y vais beaucoup. Bien sûr. Mais par contre, c'est pas trop. Mais je parle en tant que gourmand pour que les gens se reconnaissent et se disent pas ah ça doit être trop. Non. Pour moi qui suis gourmand, c'est pas trop, tu vois. Pendant 18 balles, tu manges ça, tu kiffes. Alors par contre, il faut kiffer la noisette. Hein. Ouais. Si tu kiffes pas la noisette, c'est pas ton truc. Mais si tu kiffes la noisette, tu te régales. Regardez-moi cet insert là. Pour vous montrer un petit peu les textures là, on a franchement 3-4 couches. Je sais pas combien, il y a 27 couches, qu'est-ce que tu me racontes? Non. 1, 2, 3, 4, Max comme toi. Comment il s'appelle d'ailleurs le... Maxime Frédéric. Le chef, ouais. Super. Qui est le chef du Cheval Blanc, qui a un restaurant populaire. C'est insane. C'est un nuage. Mes doigts, 12€ là. C'est un nuage. Oh là le paradis, waouh. Reviens, il reste encore. Je me suis gentil parti. Ferme les yeux et voyage. Non, c'est le côté, tu fais aucun effort. Non, toujours entre les deux, voilà, nickel.
Maxime. Une noisette qui tombe là. Maxime, tu mets pas tout nu. Non, mais c'est Maxime, mais on est. Non, non. Je suis encore avec les vêtements. Non, non, pense aux noisettes, rien à voir. Pensez pas à mes noisettes. Ah oui. Aux noisettes. Ah, pardon. Allez, les amis, c'est parti, on passe à la suite. Ok, donc là, les amis, on va se prendre un petit chocolat. En vrai, je pense que là, je vais pas. Je pense qu'on va prendre celui à 300 balles. Hein ? On va prendre celui à 310, non ? C'est... Non, 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 en vrai, je vais pas prendre. Non, moi, je prends pas ça. Non, non, déjà, je vais filmer. Ouais. Et voilà, c'est tout. Pas celui à 300 balles. Non, non. Les amis, on est arrivé à Cédric Grolier. Regardez, il y a personne. C'est Disneyland ou quoi, là ? On a un passif avec ça quand même. Hein. Ah, on a toujours des problèmes quand on veut faire une vidéo avec Cédric Grolier. On a toujours des problèmes. Déjà, il est jamais là. Déjà, il est là. On lui dit. On lui dit. Viens et tout. Cédric, on est là. Ah ouais. Il vient pas. Donc, bon, écoutez, on voit un petit peu. Sinon, ce sera un autre jour. Allez, c'est ciao. Quoi ? Sinon, ce sera un autre jour ? Là, vous venez de voir le moment où il y avait une queue de à peu près 1,5 km. En étant dans la queue, je me suis dit, on va faire un click and collect. Ouais. Pour aujourd'hui, samedi, j'y suis allé ce matin, il y avait une queue toujours pareille de 1,5 km. Wow, mec. Et même le click and collect, j'ai dû faire un petit 10 minutes. Ah ouais. Mais finalement, c'est juste ici. Le sac est juste là. Un double Big Mac. C'est non. Maxi, hop, avec potatoes coca. Non. Donc regardez-moi ces belles beautés. Ah, attends, est-ce que là, on va les ouvrir? Je peux? Bah oui, vas-y, je te laisse le bénéfice là. Oh, c'est beau, elles sont magnifiques. Là, là, là. Elles sont, j'ai failli les faire revirer. Elles sont sublimes par contre. La mangue, j'ai envie de la. Moi j'ai envie de la. Déboîter comme ton gros daron là. De la comme un gros marron. Marron, je vais la manguer. Ta gueule. Encore comme la dernière fois, on commence par quoi? C'est une bonne question. Alors moi je t'avoue que j'ai beaucoup d'attentes pour la mangue. Donc on finit là-dessus? Je pense qu'on pourrait finir. Mais en même temps, ouais. Je pense que la cacahuète va être celle qui va avoir le plus de goût. Okay, donc je pense qu'il faut terminer par la cacahuète parce que sinon on va casser tout le reste. Ok, vas-y, je suis d'accord. Putain, on en a 6, regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est un effet miroir. Mais comme ça au moins on peut en manger une chacune. Un effet miroir. On peut en prendre un chacun. Regarde, effet miroir, effet miroir. Hop, 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 pas pareil. Ah, oh là là, c'est beau. Attention à la boîte parce qu'elle est vraiment belle. La petite cuillère, donc ce qui est bien avec les Cédric Grolier, c'est qu'il faut que ce soit de la nacre en fait pour les cuillères parce que c'est spécifique. C'est du bois, c'est du bois. Il faut pour avoir du bois, le goût. C'est un truc que j'ai acheté vraiment à Monoprix. Tu peux le mettre si tu veux mettre sur ton. J'ai acheté comme ça. À Monoprix, ça m'a coûté vraiment 2,50 € pour les 500. Voilà, donc c'est très important. C'est toujours un plaisir. Oh, c'est toujours un bonheur. Oh là là. C'est alors, excuse-moi de montrer l'intérieur, mais. J'allais dire, tourne-moi ça là. C'est c'est toujours un bonheur. Oh punaise, mais. Là, tiens, Maxime, on y va. 2, 3. Bon. Pardon, excusez-moi, monsieur, mais je suis en train de manger une mangue là ou quoi? Tu vois, je parlais de Louis Vuitton avec leur poire. Et bah, j'ai la même sensation avec la mangue. J'ai l'impression qu'on m'a mis une grosse mangue dans la bouche bien mûre et qu'on m'a fait oh. C'est ça, on t'a mis la mangue. Tu sais, c'est pas. Ouais, ouais. Je veux dire la même chose qu'à Louis Vuitton. J'allais dire, on n'a pas pris la poire, c'est la. Ouais, j'allais dire la même chose. On a pris la mangue. Là, c'est un policier, il m'avait arrêté, il m'aurait dit, mais monsieur. Là, c'est une amangue. C'est une sacrée amangue. C'est une sacrée amangue que je vais vous Allez. Mettre, tu vois. J'y retourne, hein. Ouais, ouais, ouais. Oh, mec, elle est trop bonne. On peut pas. Je suis désolé, mais je connais les gens qui disent ouais, c'est Eric Grolet, c'est fade. Là, c'est pas possible. Comment ça, c'est fade? Là, il y a des gens qui disent ça. Ouais, pour l'instant, c'est un gros combat. Hein. On va tout manger avant de donner des notes. Avant on va tout manger, Excellent. Allez. Elle est très très bonne. Est-ce qu'on partirait pas sur la petite noisette? Okay. Ce bruit finalement. Oh là! C'est un peu du foot porn, hein? Je te jure, on a toujours les petits points de vanille là, tu sais, c'est sublime. Là, tiens. Tiens, 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 hop, hop, là, hop, je t'en ai pris un petit peu. Mais frère! Mais c'est une dinguerie! Mais pardon, enfin! La première vidéo Cédric Grolier qu'on a fait, elles étaient très bonnes. Ouais. Mais les deux là, elles sont 8 crans au-dessus. Ouais, je suis d'accord. Elles sont 8 crans au-dessus. Comment ça se fait? Je sais pas. Ils s'améliorent entre temps, tu vois. Bon. Mais vraiment, la noisette, je dirais même que je la préfère à la mangue, bizarrement. Mais, alors en prenant, on a goûté l'entremets noisette à Louis Vuitton. Oui, c'est vrai. Je trouve que. Non, mais c'est puissant, mais c'est doux en même temps. En fait, ce que j'ai bien aimé dans l'entremets noisette chez Louis Vuitton, c'est qu'elle était très forte en goût, mais très bourrative. Là, c'est doux, c'est agréable. Et je trouve personnellement, parce que c'est un peu le seul truc qu'on pourra comparer entre les deux. Ouais. Parce que c'est un peu le même goût finalement. Ouais, même les prix restent un peu les mêmes. L'entremets noisette de Louis Vuitton et la noisette de Cédric Grolier. Je préfère la noisette de Cédric Grolier. Ah, moi aussi. Parce que je la trouve plus douce, plus agréable et je peux en manger 14. Ouais, alors que la Vuitton, je peux en manger 2 chemins. Exactement. Voilà. Si t'as un gros goulu, comme j'explique, tu vois, ce mot parfois, goulu, Louis Vuitton est peut-être fait pour toi, mais pour nous, on est un petit dépalé, un petit peu.
peu raffiné, un petit peu mieux. Oui, bon, tu peux le dire, tu peux le dire, que le commande est mortel. Voilà, c'est ça. Non, ouais, pas du tout. Oui, pas du tout. On préfère des kebabs à des caviar. C'est évident. Et du coup, très curieux de goûter la cacahuète qui me fait un petit peu le plus peur. Parce que j'en ai entendu des retours. Ah mince. Soit t'aimes pas. Vraiment pas. T'es amateur de cacahuètes? T'es amateur de cacahuètes? Moi j'aime beaucoup. Je suis amateur aussi. Allez, je cut, vas-y. Allez, tu cut, je tiens le téléphone. Et tu cut pas la vidéo. Oh, ce petit bruit là, désolé, de craquant, c'est de la ASMR finalement. Oh là 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 là. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à l'intérieur. Et on va lui faire un boulot. On va lui faire un boulot à la cacahuète. Allez, on trinque. C'est parti. Hop, la tienne. Pardon. Mais. Alors je suis désolé, mais vraiment. Je ne sais dire que ça. Vraiment, oh là là, les goûts. Les textures. Mais pourquoi on n'a pas de langage? J'ai un peu le goût léger des chouchous. Oui. Tu vois ce que je veux dire, ça. Les chouchous que tu achètes sur la plage, là. Un peu caramélisé et tout là, ouais. Et que tu manges en petit paquet. Ça a un peu ce goût là. Sauf que ça colle pas aux dents. Sauf que ça a pas le même prix. En effet, je le répète, c'est pas une pâtisserie que tu manges tous les samedis matin. Parce que tu te fais un petit brunch, tu te prends tes petits croissants, ton petit salé grelais, ça marche pas comme ça. Par contre, vraiment, de temps en temps, une expérience. C'est une vraie expérience, c'est très bon. Y a rien à dire, c'est très bon, bravo. T'y vas pas pour te blinder le bide, ouais. T'y vas pour kiffer un moment avec tes papilles. C'est ça. Maxime, c'est le moment de. Oui, tu rigoles, mais il faut réussir à trouver des arguments. Quelque chose à dire, Louis Vuitton ou Cédric Grolet? Moi je prends la parole en premier, voilà, Cédric Grolet. Parce que, j'enlève le prix, parce que les prix c'est pareil. Oui, les prix. J'enlève le service Louis Vuitton. Parce que ça pour moi c'était quelque chose. Ah bah le service Louis Vuitton, j'ai jamais vécu un truc comme ça. Ouais, donc bien sûr, ça. Bien sûr. Mais je le prends pas en compte parce que ce qu'on note. On dévers à 300 balles. Voilà, tu vois bon, ça. Voilà, évidemment. J'ai volé la serviette. Bon, mais je le prends pas en compte parce que c'est pour moi c'est pas ça. Faut vraiment se focaliser sur les pâtisseries et honnêtement je pense que Cédric Grolet est meilleur. À mon humble avis. Alors, la charlotte aux poires de Vuitton. Ouais, c'était délicieux, bien sûr. Vraiment extraordinaire. Vraiment, elle est. Ah, mais oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais en effet, les autres. Mis à part cette charlotte aux poires, les autres me procuraient moins de plaisir que celles de Cédric Grolet qui sont ici. Pourtant, c'est la deuxième fois qu'on goûte. On a toujours ce waouh. Et pourtant, encore une fois, c'est subjectif. C'est vraiment notre avis. Ah, ça se trouve, vous allez dire, mais comment? Arrêtez. Mais. Squeezie là? Tu fais quoi? Comme ça, tu vois. Tu t'es fait mal. Après, si je devrais vraiment noter une pâtisserie au-dessus des autres, serait toi. Wow. En termes de goût, en termes de saveur et tout, je pense que vraiment, t'es au-dessus. Tu veux me grailler? Non, okay. Mais j'adore. Les amis, si vous avez un jour l'honneur de passer par là et de goûter Cédric Grolet ou alors Louis Vuitton, n'hésitez pas. Parce que les deux, en vrai, on a dit on préférait l'un ou l'autre, mais les deux sont extraordinaires. C'est exactement les ça. Les deux en sont fait, très très bons. Faites votre propre avis. Nous écoutez pas. On vous divertit, on goûte, on vous donne notre avis, mais n'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram. De toute façon, on n'ira pas voir. Donc j'allais dire je suis grave chaud. N'hésitez pas à nous mentionner pour vous dire si vous avez peut-être des préférences. Évidemment on ira voir. Merci Maxime d'avoir participé à cette vidéo. J'espère que tu auras pris du plaisir. Mais je fais que manger. Enfin, un moment je veux dire quoi demander de plus quoi. À part une Tesla. De notre PS5. Prochain volume, on compare Tesla avec la Renault Zoé. Si vous avez kiffé cette vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à vous abonner à la chaîne de Sora qui est dans la description évidemment. Je vous fais des très très gros bisous. C'était Maxime, c'était Raven en direct de YouTube. Ciao. Ciao. Allez, je vais commencer à démonter tout ça. Hein. Hop là, tac. Non, regarde, laisse-les là, je vais les faire goûter. Non, regarde, t'es en train de partir avec. Maxime, t'es en train de. Mais tu les donnes à aucun là. Hop là, aucun ma pépite. Viens goûter les Cédric Grolet.